tricoter, c'est pas un truc pour les garçons. Tu devrais me tricoter un pull, toi. Allez, venez, on s'en va. Ne les écoute pas, fais comme si elles étaient jalouses. Et t'inquiète, je vais rien leur tricoter. Est-ce que tu pourrais jouer? Mais ça va pas, non, le foot c'est pour les garçons, pas pour les filles, en plus tu sais même pas jouer. Paul et Eliane, je vous ai vu refuser à Mahana de jouer au foot avec vous. Vous croyez sans doute que vous êtes plus fort qu'elle? Mes maîtresses ont gagné, alors on n'allait pas la prendre dans notre équipe. Oui, pour perdre. C'est une fille, elle sait pas jouer. Elle a qu'à faire de la danse classique ou du tricot comme Paolo ou comme toutes ses copines. Ça, c'est un truc de fille. Donc, vous pensez que les filles et les garçons ne peuvent pas faire les mêmes choses? Mais pourtant, on est tous égaux. Non? Garçons et filles? Ouais, mon père dit qu'on descend tous du singe. Ah bon? C'est vrai ça? Alors, d'après les chercheurs qu'on appelle des anthropologues, effectivement, l'homme descendrait du singe, oui. L'homme, oui, mais pas la femme quand même. Eh bien, si, Lucie, la femme aussi. Mais t'inquiète pas, c'était il y a des millions d'années, ça se voit presque plus. Et si l'homme descend du singe, alors le singe descend d'où? De l'arbre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus fort que les filles. Tu pars, ma sœur a fait de la boxe, elle t'écraserait comme un moustique. Mon père, il dit que les filles savent pas conduire. N'importe quoi. Ma mère, elle, n'a jamais eu d'accident. Et en plus, elle sait qu'on est un mécanique. Les filles, ça, c'est pas réparer les moteurs. Ben, nous, c'est le ménage, quoi. Et la cuisine aussi. Grave. Ouais, nous, c'est le bricolage. Ah ouais, d'accord. Mon père, dès qu'il plante un clou, il finit à l'hôpital. Oh là 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 là, les clichés. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que les filles, vous me disiez ce que les garçons ne peuvent pas ou ne savent pas faire. Et vous, les garçons, j'aimerais que vous me disiez ce que les filles ne peuvent pas ou ne savent pas faire. Jouer au foot ou tous les sports, c'est pas pour les filles. N'importe quoi, il y a plein de championnes dans tous les sports. Mahana court plus vite que vous tous. Faire du tricot ou dessiner des robes, c'est un truc pour les filles. Pas du tout, les couturiers sont tous des hommes. Maîtresse, caissière au supermarché, c'est un travail de fille. Maîtresse, chauffeur de bus scolaire, c'est un travail de garçon. Non, moi j'en connais une. Oui, alors en fait, aujourd'hui, tous les métiers sont ouverts aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et c'est même obligatoire. On a fait une loi sur la parité pour qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Comme quoi, maîtresse? Eh bien, par exemple, pour un même travail, le salaire d'une femme va être inférieur à celui d'un homme. Et aussi, dans les postes à responsabilité, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les filles s'occupent des enfants, elles peuvent pas travailler. Mon papy, il dit que le chômage, c'est à cause des femmes qui travaillent. C'est pas vrai, il y a aussi plein de chômeuses. En tout cas, nous, on est plus intelligentes que vous. Ouais. Bien sûr. C'est pas vrai, les garçons, c'est plus intelligent. Ouais. Alors non. L'intelligence, c'est pas féminin ou masculin. Et vous venez de le voir, on en a parlé. Rien n'est interdit ni impossible, aussi bien pour les filles que pour les garçons. On peut tout faire. Et c'est ça la parité, c'est l'égalité des sexes, l'homme et la femme sur un même plan. Attendez. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'après la récréation, on fasse un devoir sur la parité. Et attendez, avant de sortir, je voudrais juste demander à Mahana de montrer aux garçons que tu peux être aussi bonne que au foot. Et les garçons, je compte sur vous pour accepter qu'elle joue avec vous, hein. Et puis, pour ceux et celles qui veulent apprendre le tricot, je suis sûre que Paolo se fera un plaisir de vous montrer. N'est-ce pas, Paolo? Oui. Bon, allez vous aérer un peu. À tout à l'heure. Chacune son tour. Vous avez pu prendre conscience que malgré les idées reçues qui ont beaucoup, beaucoup de mal à disparaître, eh bien, les garçons et les filles peuvent tout faire.
comme jouer au foot ou... Mana, elle a mis un super but. Eh ben, ouais, tu vois, c'est vrai. Tu vois que les filles peuvent être des championnes de foot. Et comme je disais, eh ben, on peut jouer au foot et aussi on peut faire du tricot. Allez, sortez vos cahiers d'exercice. Alors, comment pourrait-on définir la parité ? Oui ? Les garçons et les filles sont égales. Alors c'est bien, mais on doit dire les garçons et les filles sont égaux et pas égales. Ben pourquoi ? C'est juste de dire que les filles sont égales. Oui, mais il existe une règle de grammaire qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Ben alors, elle est où la parité en grammaire ? Eh ben oui, c'est vrai, t'as raison. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Maîtresse, nous on n'a qu'à appliquer la parité et on pourra dire les garçons et les filles sont égaux ou égales. Maîtresse, c'est qui décide des lois en France ? Eh bien, ce sont les députés à l'Assemblée qui proposent et votent les lois. Pourquoi ? On pourra leur écrire pour qu'ils ajoutent ça dans leur loi. Mais ça, c'est une très bonne idée. Eh bien, je vous propose qu'on fasse un courrier à l'Académie et aux députés pour leur faire une proposition de loi. Ouais ! Alors, qui veut venir au tableau pour écrire la proposition ? Moi. Quelqu'un qui écrit bien et sans faute. Moi, je propose Mana. Elle joue super bien au foot, elle écrit très très bien. Vous êtes tous d'accord ? Oui ! Eh ben Mana, viens.